Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu suivre l'intégralité de ces replays sur le site kenbogard.fr. D'ailleurs, je vous invite à aller discuter de ces vidéos sur le site hein, plutôt que sur les vidéos elles-mêmes où la visibilité n'est quand même pas top sur YouTube. On retrouve la Camille de Kilitempo. Oula, qu'est-ce que c'est que ça là? Mon dieu, quelle horreur! Saikyo Blanca avec une couleur épique. C'est le nouveau costume alternatif de Blanca, c'est ça? En la personne, alors qui c'est qui joue? Hiroyuki-san, que je vais appeler Hiroyu tout simplement parce que sinon c'est trop long. Joueur de Blanca, l'occasion de voir un Blanca, mais dites-moi, mais c'est horrible, il a attaché ses cheveux en plus! Trop bizarre avec le dash avant crossover qui se prend une petite balayette de Camille. Les deux adversaires quasiment à égalité, même si Blanca ici prend l'avantage. Ouais, tu te lèves, tu te baisses, la petite baisse, allez, prends ton spiral arrow. Qu'est-ce que c'est que cette phase là? C'est trop chelou quand il fait la rolling Blanca dans ce costume là. Avec ses cheveux attachés, on dirait qu'il a un balai à chiottes planté dans le... Ah, c'est vraiment très bizarre, hein. Le HK entière, cela dit, ce Blanca joue pour le moment particulièrement bien avec Cannon Strike, enchaînement de light, le bas médium qui passe dans la garde, et on se baisse, on se lève, et encore un petit coup de balai brosse pour faire un cross-up qui permet de reprendre un peu le contrôle du centre, et voici un Blanca dans tout ce qu'il y a de plus splendide, un Blanca en position baissée, en train d'attendre tranquillement l'attaque de Camille. Bah, il se prend Cannon Strike, Medium Punch, bah, Medium Punch, Spiral Arrow, et encore un enchaînement de light, Spiral Arrow, le ex Rolling Kick pour se sortir du pressing, ex Rolling Kick, ça touche dans la garde, t'es mort, mais comment tu peux pas punir ça, c'est pas possible. Et à jouer le ex Hooligan Punch qui permet en fait à la Rolling de Blanca de whiffer. Alors c'est encore plus fort que ça parce que elle sort dans le bon sens, elle fait whiffer la rolling et elle punit. C'est vraiment le coup tout bénef, le coup qu'il fallait utiliser à ce moment-là. Très bien joué de la part de Kili Tempo qui prend quand même ici une petite série d'électricité. Blanca directement alimentée par la centrale que vous voyez derrière vous. Directement avant, il est branché en 220 là, juste derrière. Alors croyez-moi qu'on va en voir. Mais qu'est-ce que c'est que ces pifs de dragon à outrance là? Ah bah le troisième il passe finalement quand même. Allez, encore une ex-rolling et encore une punition inexistante. Tu punis quand ça? C'est rolling qui touche dans la garde là. L'outil retombe, il est là. Alors c'est Apollo 13. Bien joué le dash spécial crossover rolling pour ouvrir la garde. S'il permet à Hiroyu de prendre le deuxième round, mais c'est vraiment très bizarre. Avec cette coupe de cheveux, ça allait absolument encore plus Saikyo Blanca. Là. Vraiment, à mon avis, le costume, immédiatement choisi par Shizuoka Saikyo, qui joue d'ailleurs sur PlayStation Network, avec Shiro, avec PPN et avec Itabashi Zangief, avec aussi de nombreux joueurs japonais. Un petit coup d'électricité dans le Cannon Strike, et Hiroyu qui prend ici l'avantage. Un petit Spiral Arrow, il rate totalement son Cannon Strike. Là, malheureusement, Kili Tempo, Stand Light Kick, avec Cannon Strike, enchaînement de light, dash avant, Stand Medium, Stand Light Kick, avec Cannon Strike, bah Medium, ouais, beau pressing de la part du Camille, mais malheureusement, pas spécialement trouvé l'ouverture. Il pressait une balayette, petite rolling stop, la shop s'est déchopée, rolling dans la garde, ça peut se punir sans théorie. Avec Camille, la rolling dans la garde, ouais, c'est pas grave. Il prend Cannon Strike Medium, Cannon Spike, ça va être difficile là, pour Hiroyu de revenir dans la partie, même quasiment impossible. Les dés sont jetés, Spiral Arrow, ça passe dans la garde. Bon, puni par une petite chop, alors, il tente l'ultra, il va pas tenter l'ultra. Avec Hooligan Punch de sang pour se sortir de là, voilà, bah il le bouffe son Smasher quand même, c'est pas possible ça. Mais quand même, le meilleur moyen de punir cette espèce de chose immonde là, cette espèce de rolling kick qui touche dans la garde, le mec il redescend et impunément, dès qu'il retouche le sol, il protège. Si tu le touches avec un balite, c'est dans les airs, c'est n'importe quoi. J'ai jamais compris comment on punissait ça. Allez, prochain match entre Mokori qui va jouer Dictateur et un Cody. En la personne de Sitamachi qui va jouer Cody, probablement un des seuls Cody que je vais vous commenter. C'est le seul que j'ai trouvé à peu près potable. En costume noir, Cody qui bon est un perso malheureusement très unsafe, parfois assez facile à jouer, mais quand même très difficile de faire de bons résultats. On peut balancer de la caillasse, cela dit, avec ce vertical gros point, bas médium et le Hurricane Upper.
qui est passé pour ouvrir la marque. Et Sitamachi ici qui est maintenant est en train de de rien du tout. Il se prend tout simplement une chope sur gros point quasiment gratuit. Il n'y a que le Zonk Knuckle pour se sortir de ça. La glissade qui touche, le cross-up medium kick, enchaînement de lights au medium kick. Vous voyez une pression quand même constante avec le ex Zonk pour se sortir du coin. Et ha 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 ha, on balance de la caillasse et un coup de pied. Les deux ont whiffé. À l'image de ce Devil Reverse qui n'a pas touché sa cible, le HK qui fait double touche, allez, il s'en sort bien pour le moment, le Cody là, allez, sur le Psycho Crusher, Balai Kick, ni presse, ça fait mouche, Tengro prend la relevée, le Exonko pif, ça whiff sur le corps, Saving, ça passe dans la garde, et Psycho Crusher, cross down, on sort du coin, double dash avant, chop, qui permet à Dictateur de prendre l'avantage, chaud gros point, chop, et premier round pour Mokoli et son Dictateur, son Vega Joker. C'est pas facile quand même d'estimer le versus avec ce match-là. Je sais que Sitamachi n'utilise absolument pas les entières, pourtant très puissants. Je crois qu'il a un arrière medium punch d'une puissance phénoménale en entière. Vous voyez, qui aurait pu sortir ici. À mon avis, une assez mauvaise connaissance. Par contre, ce cross-up medium kick, c'est le medium punch, bas medium punch et Ruffian kick est vraiment très très bon. De la part de Sitamachi, vous voyez, il se fait gratter très rapidement. Allez, sur le medium kick, voilà, il réussit à trouver une chop ici. Le saut high kick, enchaînement de light, bas medium, avec l'avant medium punch, solar plexus, qui est vraiment une très très bon frame trap avec Cody. Coup que vous pouvez abuser avec le bas medium kick, la glissade de Cody qui vient de casser le Psycho Crusher. C'est aussi une information très probablement à retenir, important dans Versus. Zonk pour faire cross down pour se sortir, il a raté son combo, fort heureusement. Mokori, là, la chop s'est déchopée après le Psycho Crusher. Et Psycho Crusher qui à la relevée peuvent même te toucher cross-up. Une pure horreur. Et ce vertical gros point décalage chop s'est déchopé. Le ex Hurricane kick qui whiff, mais il prend balai bas medium et Hurricane upper. Le pauvre Mokori, et il va se trouver en plein dans le saut medium kick de Cody dans les airs. Je sais pas ce qu'il a voulu faire là, Dictateur, mais c'est un tout petit peu raté. Il aurait dû essayer d'utiliser l'Ultra 2 sur ce saut de Cody, ou d'essayer d'attendre tout simplement l'erreur pour passer l'Ultra 2. Ultra 2 que l'on n'a toujours pas vu, qui pourtant est très efficace avec Dictateur. Allez, saut gros point, balai, ni presse, cancel. Il rate ici, rate son combo, mais il place quand même les balai kick, ni presse. Bien joué, c'est pas relevé le Cody pour faire whiffer le cross-up en corner, ce qui est plutôt une bonne chose. Allez, ça lui a permis de s'en sortir. Par contre, le ex-caillou, lui, ne touche absolument pas le Devil River. Vas-y, continue, envoie-lui du caillou. La saving, ça passe dans la garde. Chop, c'est évité par le badash. Vertical gros point, ça remet à terre avec une violence, tel le saut vertical gros point de Zangief. Vraiment très très bon coup, balai kick ex Hurricane upper qui passe et qui remet à égalité. Ex Ruffian kick low qui touche, allez, le stand medium punch, avant medium punch, la saving dans la garde, petite pressing, le téléport, c'est très mal joué, le bas medium punch malheureusement qui whiff un tout petit peu trop loin. Il a lancé trop de balai punch malheureusement. Si t'as matché là-dessus, prend un gros knee press au vertical light kick, balai et ni presse, attention là-dessus, hein, il va finir par se prendre quelque chose de catastrophique. Et c'est ex Psycho Crusher qui se fait repousser par un Zonk, ex caillou pour gratter. Allez, on a encore, vas-y, balance-lui du caillou. La Nelson, encore un petit caillou. Il manque, il essaie d'éviter tous les cailloux en sautant en arrière. Le Dictateur, ah ça y est, il vient de se faire gratter. Il va le finir en caillou, je vous dis, son gros pied, balai, allez, bah avant médium et le tornado uppercut, l'Hurricane upper qui vient. Gratter ou terminer, non, terminer. Il a essayé de faire un saut arrière pour s'extirper du coin. Et vous avez vu, tout ce petit pressing de Cody est parti sur l'avant medium punch, qui est une magnifique frame trap, qui amène quand même un énorme junken. Tu sais pas trop quoi faire, t'es encore dans un block stun assez immonde et assez immense. Il peut te remettre des lights derrière ça et initier un petit combo qui fait bien plaisir, comme ça a été le cas. Ici, Dictateur a voulu éviter ce combo, mais bon, en anticipant le fait que Dictateur ait voulu l'éviter, il a mis l'Hurricane Hopper dans le saut arrière et Dictateur n'a pas eu le temps de s'enfuir. En fait, peut-être une réponse aurait été un téléport arrière là-dessus s'il voulait vraiment, vraiment... s'enfuir du pressing de Cody. Malheureusement, eh ben, ça n'est pas venu.